sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve malheureusement pour le dernier épisode de mon let's play sur Aria. J'espère en tout cas que cette série vous aura plu parce que vraiment moi j'ai adoré la tournée. Alors je vous mets tout d'abord le dernier épisode dans le petit. Comme ça, si vous n'avez pas vu le dernier, je vous le propose parce que sinon vous allez vraiment être perdu. Comme d'habitude, je vous dis souvent la même chose, mais c'est un peu réel. Vous avez pu savoir où mettre la tête. Je fais quand même des machinima au début des épisodes, du coup bah, c'est assez compliqué après si on ne suit pas. On retrouve donc Aria avec sa fille qui a bien grandi. On a également le papa Elliot qui nous a rejoint. On a déménagé à Evergreen Harbor. Cette maison est vraiment très belle, franchement j'adore, ça fait vraiment très familial et tout. Et donc je vais vous faire un peu visiter vite fait comment ça se passe ici en fait. Alors tout d'abord on a le rez-de-chaussée, donc normalement l'entrée c'est de ce côté là, mais moi je préfère dire que c'est ici en fait, je sais pas vraiment pourquoi. Je préfère tout de même. Là j'ai installé un petit bureau du coup, là on a l'entrée, on a la salle de bain et les toilettes séparées, la cuisine, la salle à manger, le salon et la buanderie. Alors dans la maison d'origine j'ai vraiment pas du tout la même composition dans la maison puisque j'ai vraiment changé toute la décoration, sinon après les pièces c'est à peu près la même chose je pense. Une fois à l'étage on a le palier, donc j'ai mis en sorte qu'il y ait tout ce qu'il faut pour le chat mais aussi également le chien parce que oui nous avons un petit chien depuis peu qui s'appelle Richie. Nous avons une salle de bain pour tout le monde, ici la chambre de notre petite, là la chambre parentale avec sa salle de bain et ses toilettes séparées. Franchement j'adore vraiment cette maison. Après bien évidemment on a également le jardin, donc ici on a un petit garage, la voiture etc. J'aime vraiment beaucoup le rendu. Et j'ai bien sûr remis toutes les anciennes photos de notre chère Aria, d'ailleurs qu'on va devoir mettre à jour parce que depuis ils ont quand même un peu changé, on va pas se mentir. Et donc on verra pour prendre une photo par la suite avec Elliot. Je pense que clairement on pourrait déjà rajouter ce petit certificat de naissance, alors je sais pas vraiment où le mettre, on va le mettre ici pour le moment. Parce que c'est quand même quelque chose qui fait partie de la vie d'Aria, sa fille Lila, et c'est un moment très important pour elle. Elliot, lui, il est parti courir un peu dans le quartier, c'est quelqu'un d'assez sportif, on va pas l'oublier. Alors ça fait maintenant 3 ans que tout s'est passé, qu'ils sont installés dans cette petite ville et dans cette chère maison. Je vois que Elliot a besoin de prendre un bain, il va le faire maintenant. Je vais vous montrer un peu Richie qui est coincé dans la salle de bain là. Ah ça y est, il sort. Regardez, il est tout petit, pour l'instant c'est un petit chiot et il est tout choupinou. Vraiment j'adore, il est trop mignon. Ici on a à l'étage Aria avec sa fille. Sa fille qui aurait besoin d'ailleurs d'un bain, donc on va faire ça tout de suite. Hop, on va lui donner un bain de mousse. En plus il est 15h40, bah écoutez je pense que c'est le moment. Par la suite Elliot va pouvoir aller aux toilettes. Alors là vraiment leur vie a vraiment changé. Oh, Jaylee veut passer à la maison, bah on va lui dire oui, hein, y a pas de souci. Ça y est, Jaylee arrive, je la vois tout là-bas là. On a Aria qui donne le bain à sa fille, trop chaud. Vraiment je les adore, c'est une de mes familles préférées. Ça me fait un peu drôle de plus tourner avec eux. On pourrait jouer pourquoi pas un peu avec Lila également. Alors c'est où? Voilà, on va jouer avec elle. Et Jaylee, j'ai l'impression qu'elle veut pas rentrer. Bah écoutez, tant pis. Nous en attendant, on va faire à manger pour lui et sa petite femme. Et oui, pourquoi pas faire une salade du jardin, tiens. J'adore ces petits moments-là, c'est trop précieux ça. Tu nous fais quoi Elliot? Ah ça y est, il fait à manger. Et Lila est au niveau 3 de la compétence mouvement. Alors elle au niveau de ses compétences, j'aimerais bien qu'elle soit au niveau 3 partout. On va également venir lui donner à manger. Donc là elle est partie préparer. Elliot est au niveau 2 de la compétence cuisine. Bah c'est bien, écoute tu t'améliores. En attendant tu vas mettre ça dans le frigo parce que ta femme n'a pas fini. Tu vas enlever la nourriture gâtée. Alors toi t'es parti faire n'importe quoi à ce que je vois. Tu vas venir t'occuper un peu de Richie, tu vas lui faire un petit câlin, la caresser, je sais plus si c'est une femelle ou un mâle. Bah écoutez, tant pis. Il me semble que c'était une femelle, hein, si je dis pas de bêtises. Nous on va sortir le plat pour tout le monde. Ah ouais, il y avait quand même pas mal de choses dans le frigo, j'ai pas fait gaffe à tout ça. Je crois qu'il y a Elliot qui va chercher sa fille pour la mettre dans la chaise, c'est pas plus mal parce que je voyais que Aria n'y arrivait pas. Ça y est, elle est posée, elle va pouvoir manger tranquillement. Nous on va appeler à table, comme ça ils vont venir manger tous les deux. Les voilà donc en famille. Ah j'adore ces petits moments, j'adore les prendre en photo et tout quand ils sont à table tous ensemble comme ça. Aria a fini, c'est donc elle qui va coucher sa fille. On va lui lire une histoire. Elliot lui en attendant il va faire un peu la vaisselle. On va appeler un animal pour qu'il vienne manger. On va appeler Richie parce que je crois qu'elle a pas encore mangé elle.
Il va venir tranquillement se laver les dents avant d'aller coucher. Ah, ça y est, Arya a fini de lire une histoire à sa fille. Oh, regardez, on peut faire regarder avec amour son ou sa conjointe. Bon, on va faire ça, je sais pas vraiment ce que ça donne. Ah, mais en fait, elle la regarde de loin, quoi. Ah non, ça y est, là, ça fait la vraie interaction. Oh, c'est trop mignon. On va venir lui proposer de faire une photo avec nous. On va embrasser Elliot. Voilà, un petit bisou et je pense que du coup, ils vont venir faire un petit crac-crac avant d'aller dormir juste ici. Je vais mettre les éclairages automatiques pour chaque chambre. On se retrouve donc le lendemain matin. Nous sommes samedi 6h37 et c'est Elliot le premier levé. Il a l'air d'être mal à l'aise. Ah oui, il est un peu malade. Bah écoutez, il va prendre des médicaments directement. Par la suite, il va venir se rendre dans sa petite salle de bain. Il va d'abord aller aux toilettes et prendre une petite douche. Ah, c'est le réveillon du jour de l'an aujourd'hui, j'avais pas vu. Il va donc prendre une résolution. Et je pense que lui, il aimerait bien améliorer une compétence, par exemple celle de l'éducation avec sa fille. En plus, il y est presque, regardez. Ah, il y a Arya également qui est levée. Bah, Arya, écoute, toi, tu vas descendre en bas et tu vas aller aux toilettes juste ici. Et par la suite, elle va donc venir prendre un bain également. Alors, normalement, aujourd'hui, je crois qu'il n'y a personne qui travaille. Bah, si, toi, tu travailles à 18h en fait. Il va venir par la suite remplir la petite gamelle des animaux. Ici, on a quelque chose à jeter, mais également, il va venir déjeuner. Arya va pouvoir le rejoindre pour déjeuner tous les deux ensemble. Lui, il est déjà installé, il mange du pain, je crois, c'est quoi? Ouais, c'est ça, du pain. Ils discutent encore tous les deux ensemble. Elle a l'air un peu triste, là, Arya. C'est peut-être la fin de la série qui la rend triste. Oula, on a notre petit Elliot qui est très enjôleur. Qu'est-ce qui lui arrive, là? Pourtant, ils se sont pas tellement dragués, hein. Mais écoutez, ils sont tous les deux très enjôleurs, donc je pense qu'ils vont se permettre de faire un petit crac-crac. Ils vont faire un crac-crac dans le placard, pourquoi pas. On a la petite qui vient de se lever, la petite Lila. Alors du coup, elle est au niveau des compétences. Voilà, la réflexion a terminé, elle va faire ça pendant que ses parents sont occupés, comme vous le voyez. Ça y est, elle est au niveau 3 de la compétence. Maintenant, c'est avec l'imagination surtout qu'il va falloir travailler. Alors Elliot, comme vous voyez dans le machinima, il a un peu rattrapé le temps perdu avec sa fille, etc. Maintenant, ils s'entendent vraiment très très bien. Il va venir prendre Lila dans les bras, elle va arrêter de faire les cubes. On a maman qui va du coup pouvoir aller courir un petit peu. Voilà, aller courir, c'est parfait. On va déposer Lila juste ici parce qu'elle va pouvoir jouer dans la cabane. Je crois qu'on a un animal malade, regardez, il y a des petites touffes partout là. Et Lila, du coup, elle va venir dans la cabane, juste ici. Elle va jouer à faire semblant et jouer à l'intérieur. Elliot, lui, il fait un peu de la balançoire, comme vous le voyez. Ah, elle est déjà au niveau 2 de la compétence imagination. Bah, ça va super vite. Là, on a Arya qui court un petit peu. Elle fait son jogging de la journée. On va lui prendre une résolution. Alors, elle aimerait bien obtenir une. Alors, elle aimerait bien, je pense, perdre du poids. C'est vraiment dans ses objectifs. Elle veut perdre le poids de sa grossesse, même si elle n'a pas grand-chose à perdre, on est d'accord. Oh, regardez ce qu'il peut faire, faire semblant d'être un monstre. Oh, j'ai jamais fait ça. Mais c'est trop mignon. C'est trop effrayant d'utiliser la tente maintenant. Oh non! Il va lui faire un petit câlin. Également, il va lui parler de sa journée. Ah, ça y est, il a augmenté sa compétence. Du coup, il a fini sa résolution. Ah, la froid, la petite. Mais attendez, on va la changer. Il est en adoration pour sa fille. C'est vraiment trop mignon. Ah, ça y est, là, c'est tout de suite mieux. Écoutez, je pense qu'on va venir lui servir son manger du midi parce que là, à la fin, la petite, on va lui servir des petits pois. Ah, ça y est, toi aussi, t'as fini. Super. Elle va pouvoir tranquillement prendre une douche à l'étage ici. Ah, mais elle a déjà fini, mais elle a été super vite, attendez. Bah oui, elle a fini. Bah maintenant, on va pouvoir lui apprendre à aller sur le pot. C'est maman qui va prendre le relais. Hop, apprendre à aller sur le pot à Lila. Du coup, Elliot se sert à manger également. Il a un peu faim. Il va pouvoir nettoyer un peu tout le bazar là. Voilà, là c'est parfait. Est-ce que le chat a besoin un peu d'attention? Ah bah non, elle dort. Bah attendez, déjà, on va nettoyer juste ici la touffe qu'il y a. Et on va venir un peu s'occuper du chien également. On va lui demander de faire ses besoins. Ah, il a le trait de caractère poilu. C'est pour ça qu'en fait, on retrouve des touffes un peu partout là. Ah, elle est au niveau 2, la petite Lila, ça va super vite, c'est super. Mais écoutez, maintenant qu'Eliott il a fini un peu ce qu'il devait faire, bah, il va venir faire un jogging énergisé en plus. Ouais, voilà, il est énergisé, donc ça va aller super vite. Ça y est, la petite Lila a fini d'aller sur le pot. Elle va venir tranquillement jouer avec un jouet, du coup. Pendant ce temps, Arya va venir nettoyer le pot, et également le sol. Elle est au niveau 3 de la compétence imagination.
Elliot, je vois qu'il a un peu envie d'aller faire pipi aussi, donc hop, lui il va monter dans sa chambre juste ici, hop, faire pipi. Avec Aria, on va organiser un petit événement social, alors c'est juste ici. On va organiser du coup un petit dîner entre nous pour le réveillon du jour de l'an. Les autres, c'est bien sûr Elliot et Aria. En ce qui concerne les invités, bah écoute, on va pas inviter grand monde, on va inviter Aril, Joshua qui a bien grandi. Et également Jaylee, voilà, on va passer ça en petit comité. Normalement, il devrait pas tarder. Oula! Ah, t'es trop belle, Arya! Mais écoutez, je pense que lui pourrait venir embrasser sa femme quand même, hein. Là, elle est vraiment très belle. Hop, on va l'embrasser. Ah oui, du coup, comme c'est un jour férié, tant mieux, il travaille pas. C'est pas plus mal. Ça y est, il l'embrasse et je vois que les invités arrivent également, petit à petit. Il va la draguer un petit coup, comme si de rien n'était. Ben Lila, par contre, elle va aller dormir parce que là, il est quand même presque 19h et je commence à voir que la fatigue arrive. Il se drague et tout, trop chaud. On va sortir des petits plats du frigo pour inviter tout le monde à venir manger. Alors, on a ce plat-là qu'on n'avait pas fini, mais également celui-ci. Voilà, on sort un peu tout. Elliot va venir appeler à table. Ah, on a les filles dans le salon. Ben, je pense qu'elles vont discuter entre elles d'ailleurs. On va demander comment s'est passée sa journée à Jaylee. Elle est vraiment toute belle en plus, elle aussi. On va complimenter sa tenue. Je pense qu'on va un peu également rigoler toutes les deux. Ah, toi t'as fini. Bah écoute, viens faire la vaisselle vite fait. Et Aria, je trouve Candy Burr très mignonne. Tu crois que je devrais lui proposer un rencard? Non mais regardez qui nous appelle. Kyle, bah écoutez, on va lui dire oui, fonce. Il n'y a pas de souci, retrouve-toi quelqu'un là, après tout ce que tu nous as fait. Ah, ça y est, Josh a enfin décidé de rentrer dans la maison pour venir manger. Ah, on a Ria qui s'en va coucher. Attendez, on va lui dire de rester quand même. On va mettre fin au dîner. Je pense que là, il est carrément l'heure d'arrêter. Il est quand même déjà 20h30. Il va venir tranquillement embrasser sa petite femme. On va lui faire un baiser passionné là, quand même. Hein. Ah, ça y est, le petit bisou pendant que tout le monde part. Et je pense que du coup, ils vont monter dans leur chambre, refaire un petit crac-crac. Les tourtereaux vont tranquillement se coucher ensemble. On se retrouve bien sûr le lendemain matin. Ah, on a la petite Lila qui vient de se lever. Oula, elle va pas bien du tout à ce que je vois. Est-ce qu'elle peut aller sur le pot toute seule? Bah oui, bah c'est parti. Il est même pas 6h du matin qu'elle est déjà debout quoi. On est passé au printemps également, c'est super. Ça touche à la fin de l'hiver et franchement j'adore. Ça fait du bien un peu de changer d'air. Elliot, lui, va venir tranquillement faire pipi et également prendre une douche rapide parce que là, je vois que c'est un peu chaotique. Ah, ça y est, Lila a presque fini. Avec Aria, on va sortir un plat du frigo. On va servir un petit plat pour notre fille et on va la poser juste ici. Ça, en attendant, on va pouvoir le remettre dans le frigo. Elliot, lui, va se faire un peu le ménage de toute la maison parce que là, franchement, il y en a besoin. Nous, on va remettre un peu des croquettes. Là également, on va se changer. On va pouvoir libérer Lila par la suite. Je pense que c'est Elliot qui va le faire d'ailleurs. On va la relâcher. Après, voilà, au niveau des compétences, il y a juste le pot. Donc en attendant, elle va venir avec ses petits cubes parce qu'elle a un petit souhait à faire juste ici. Voilà. Elle souhaite jouer avec des cubes. Donc écoutez, on va la laisser faire. On va embrasser notre petit Elliot. Non, mais par contre, pose ta fille, quoi. Elle va se débrouiller toute seule. Ah, ça y est, le petit bisou. Et en fait, je viens de réfléchir un peu. J'aimerais bien qu'ils aient un deuxième enfant, mais cette fois-ci complètement voulu. Je pense que vraiment, Aria, je la vois bien maman pour une deuxième fois. Donc écoutez, ils vont faire ça tout de suite. Hop, on va essayer de faire un bébé avec Elliot. En plus, c'est dans les souhaits de Elliot de devenir parent encore. Il aimerait avoir un autre enfant. Alors, est-ce qu'il veut bien? Il a l'air complètement d'être d'accord. Richie a faim, donnez-lui à manger. Non, mais attendez, il y a la gamelle. Ah, ça y est, il mange. Bah voilà. C'est parti pour la concrétisation du prochain bébé de la famille. Ah, je crois que ça a super bien marché vu les feux d'artifice là. Nous, on va prendre une petite douche froide. On a Elliot qui refait un peu dodo, mais écoutez, ouais, voilà, il va se lever, il va venir tranquillement déjeuner. Ok, ça y est, on s'est occupé un peu de tout. Toi, t'as également envie de déjeuner, donc hop, c'est parti. Et par la suite, on va du coup re-remplir la gamelle. Ah, bah ça y est, elle l'a fait directement, donc pas besoin de le faire. Lila atteint le niveau 4 de la compétence mouvement. Je vois qu'elle commence à avoir besoin d'un bain, donc cette fois-ci c'est son père qui va s'y coller, chacun son tour. Ah, on a un évier de cassé, non! Oh, regardez, ils sont trop chauds! On va venir caresser Maggie, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas occupé d'elle, c'est quand même quelque chose là. On va faire connaissance, on va la caresser. Ah, ça y est, là, elle a l'air plus heureuse déjà. Et alors, ça donne quoi le petit moment père-fille? Oh, trop chaud!
Ah, ça y est, toute propre. Et bien, toi, écoute, tu vas pouvoir te changer également parce que là, hein, c'est pas trop ça. Alors, ta fille, là, ça va être un peu plus compliqué parce que maintenant, c'est le pot qu'il faut qu'elle fasse. Ça va y aller toute seule. Toi, tu vas pouvoir faire une lessive, mettre dans le lave-linge. Richie a vieilli. Richie n'est plus un chiot et est désormais un chien adulte. Et bah, dis donc, ça a été super vite. Alors, Elliot, par la suite, il va du coup hop, activer le linge. Et ici, il va pouvoir réparer. Par la suite, il videra la poubelle également. Parce que là, c'est un peu le carnage. Il est où, Richie? Ah, il est à l'étage, le petit. Bah, plutôt le grand, parce que là, il est énorme. On va venir dehors. Attendez, on va venir ici. On va appeler Richie pour pouvoir le balader un peu. Ah, il a été super vite à réparer l'évier. Bah, par la suite, il va venir nettoyer ici. Ça y est, Richie est dehors. Hop, on va faire promener et on va aller courir. Alors ça, c'est un petit chien que j'ai eu dans la galerie et franchement, il est super réaliste. Ah, ça y est, c'est parti pour la petite promenade. Là, on a également un pot à nettoyer. Ça change de Kyle qui voulait rien faire, lui. Là, on a vraiment un homme qui n'a pas de souci avec ça. Aria a atteint le niveau 7 de la compétence fitness. Ah ouais. Et puis elle court bien avec son petit chien. Lila est au niveau 4 de la compétence imagination. Alors toi, t'en es où? Ah, tu nous fais des pompes, toi, ok. Il y a de la nourriture gâtée dans le frigo, donc c'est pareil, on va s'en débarrasser. Ce serait bien que Elliot vienne jouer un peu avec sa fille. Hop, on va faire jouer. Toi, elle fait un sacré tour, hein, avec Richie. Alors t'es où, toi, chérie? Mais toi, t'as pas du tout joué avec ton père, en fait. Il y a eu un petit problème là. L'interaction ne s'est pas faite du tout. On va faire ça, on va faire jouer. Et je crois qu'elle est fatiguée, ouais. Donc par la suite, on va vite fait lui donner à manger avant qu'elle aille dormir. Hop, je vais mettre l'interaction maintenant et on va lui donner pour le goûter de la compote de pommes. Kyle nous appelle. Oh, il a eu un rancard avec la fille qui nous a parlé. On va lui dire félicitations. Écoutez, nous, on n'est pas rancunière à ce point. Aria vient de devenir amie avec Richie. Oh, trop bien. Et Lila est au niveau 5 de la compétence mouvement. Ça, c'est clairement parfait. Alors le linge, il en est où? On va pouvoir le mettre au sèche-linge. Super. Ça y est, Elliot s'occupe de sa fille, il va la mettre dans la chaise. Ah, Richie, il est fatigué, je crois, Ouais, il est fatigué de la petite course. On va faire monter Aria à l'étage parce que là, il a besoin de... Ah! Oh! Je crois qu'on va faire le test de grossesse maintenant, en vrai, hein. Écoutez, c'est parti. Je crois qu'elle est enceinte, hein, mais je suis pas sûre. Alors toi, bah écoute, ça va très bien, tu vas juste venir faire pipi. Par la suite, tu vas venir également lire une histoire à ta fille. Oh, le travail d'Eliott commence dans 1 heure environ. Ah bah voilà, il va coucher sa fille. Aria est enceinte, les gars. Aria est enceinte, c'est trop bien. Oh, je suis trop contente pour elle. Ah, puis ça se voit déjà en plus. Elle va prendre une petite douche vite fait avant de l'annoncer à son mari. Je pense qu'il va pas avoir trop de mal à le deviner vu le ventre qu'elle a déjà. Eh mais Maria Sofia, elle veut trop faire d'autres enfants. On va lui dire non encore une fois. Déjà la dernière fois, elle nous l'avait demandé. Hop, on va venir dans la chambre, on va attendre qu'il finisse de coucher la petite Lila. On va venir l'embrasser et du coup on va lui partager la grande nouvelle. J'espère qu'il va vraiment bien le prendre. Alors qu'est-ce qu'il va en penser? Pour le moment ça a l'air d'aller. Oh, je crois qu'il est content. Mais oui, il est content, trop bien. Et puis ils sont tous les deux enjôleurs. Par contre au niveau de la maison ça va commencer à être un peu ric-rac. Ouais, là ça va être un peu compliqué. Après le bureau ici il ne sert pas à grand-chose. Je pense que je pourrais voir pour aménager un peu autrement. Ah mais non, mais en fait il est parti travailler. Bon bah tant pis, écoutez. Pas de crac-crac pour maintenant, ça sera pour plus tard. On va le faire travailler dur. Et du coup on se retrouve avec Aria toute seule. On va demander à Richie d'aller faire ses besoins. Ah, il a appris je crois. Ouais, ça y est, il a appris à le faire tout seul. Ah bah ça, il perd pas de temps là, ce que je vois. On va nettoyer les assiettes. On va préparer des asperges entourées de faux bacon, je pense. Ça pourrait être pas mal d'en faire 8. Oh, il y a un enfant qui se fait attaquer chez nous, là, regardez. Ah ben super, on fait la cuisine alors qu'il y a le chat dans le plat, quoi. Oula, mets pas le feu, Aria, hein. Normalement, t'es censée être douée, je pense. Bah oui, voilà, elle est déjà au niveau 4, c'est déjà pas mal, je pense. Niveau 5, carrément, là, elle vient d'améliorer son niveau. On va mettre ça dans le frigo, tranquillement. Oh, mais il nous met vraiment des touffes partout, lui. Je pense qu'après, il va falloir qu'on le brosse. Ça y est, elle a fini de manger. Elle va venir vite fait nettoyer un peu le bazar de Richie. Ah, en plus, elle vient de se lever. Écoutez, je vais regarder un peu. Ouais, voilà, brosser. On va faire ça parce que là, ça devient un peu le carnage. Hein. Et puis en plus, il y en a encore d'autres. Elle les ramasse pas tous en même temps. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, il fait des bêtises. On va lui dire non. Et ça également, là, je vois qu'il a aboyé et tout. On va essayer de le dresser un peu. Non, mais attendez, j'ai l'impression qu'il y en a toujours autant là. C'est quoi ce bazar?
Alors nous, du coup, on travaille demain à 9h. Ok, mais on n'a pas le niveau 8 de la compétence recherche et débat, c'est pas grave. C'est pas le plus grave, on va dire, hein, clairement, elle est déjà au niveau 8 de la carrière. On va vite fait aller sécher le linge parce que j'ai oublié de le faire tout à l'heure. Et je pense que du coup, elle va se rendre aux toilettes de sa chambre avant d'aller dormir et on se retrouvera le lendemain matin. Ah, ça y est, Elliot vient de rentrer du travail, il a bien gagné. Et du coup, il va se rendre également dans son lit pour dormir. Lila est réveillée en première, comme à son habitude. Il est lundi 6h58. Elle a un peu envie d'aller sur le pot, donc hop, c'est le moment. De toute façon, elle n'est pas au niveau droit de sa compétence. Ah, on a également Aria qui est levée. Alors, Aria, tout d'abord, elle va venir prendre une petite douche pour bien se réveiller. Bah, qu'est-ce que tu fais lever, toi, Elliot? Mais il va très bien en fait. Bah, il va venir un peu s'occuper de Maggie qui est en chaleur apparemment. Toi, tu vas très bien. Tu vas venir déjeuner en bas. Oula, il n'y a plus de croquettes. C'est parti, on va en remettre. Ah, ça va tout de suite mieux là. Du coup, tu vas prendre une douche également par la suite. Elliot vient de devenir ami avec Maggie. Super. Bah écoute, Elliot, tu vas pouvoir venir préparer le déjeuner de ta fille. On va lui mettre des céréales. Aria va, elle, se rendre au travail. Par là, si tu vas venir vite fait. Ah, les toilettes sont cassées. Hop, il va venir enlacer sa petite femme parce qu'elle va bientôt partir au travail. Également, il va venir l'embrasser. Ah, bah écoutez, il y a des priorités. Il pose d'abord sa fille pour qu'elle mange. Et là, ça y est, il fait ses interactions avec sa femme. Ah, il pourrait pourquoi pas lui offrir une petite rose. Trop chou. Vas-y, offre-lui. Ah, oh, trop mignon. En plus, elle l'apprend et tout. Trop mignon. Bah ça y est, elle va partir au travail, écoutez. Ça se voit vraiment qu'ils sont amoureux tous les deux. Ah bah écoute, ta fille, elle a déjà fini de manger. Par contre, toi, t'as pas déjeuné, donc tu vas y aller. Et on a Aria qui part dans une tenue pas vraiment correcte, mais bon, on n'a rien vu, on va dire. Aria part travailler, super. Ah oh, mais Richie, je crois qu'il est tout sale, mais qu'est-ce qu'il a fait lui? Lila est au niveau 4 de la compétence communication. Par contre, elle en a marre, donc on va la relâcher un peu. Ici, on a le linge à récupérer. Ouais, voilà. Prendre et emmener le linge. Il est propre et humide. Ben, on l'a séché, non? Mais non, il n'a pas été séché. Ben, écoutez, on va le faire. On va venir nettoyer tout ça. Et toi, écoute, tu pourrais pourquoi pas aller jouer. Ouais, va jouer dans ta chambre si tu veux. Elliot fait un peu le ménage. Et je vois que Richie, il est vraiment tout sale. Donc, hop, on va donner un bain à Richie. Ah oui, là ça y est, il est tout de suite mieux. Par contre, il a sali toute la baignoire. Nous, on a les toilettes à réparer ici. Oula, en plus, il en met partout, il se secoue. Non, mais sérieux. Ah, ça y est, les toilettes sont réparées. Essuie un petit peu là le bazar. Qu'est-ce qu'elle fait, Lila? Ben, je sais pas, elle se balade un peu partout là. Va jouer un peu dans la cabane, tiens. Nous, on a du coup la baignoire à nettoyer parce que là, c'est un carnage. Ici, on va marcher sur la peluche en poussière et là, on va nettoyer. Les factures viennent d'arriver, on va également les payer via le téléphone. Hop, payer les factures, parfait. Et par la suite, tu pourras enfin aller aux toilettes. Lila est au niveau 5 de la compétence imagination. Super Lila. Mais écoutez, je pense qu'elle va s'arrêter du coup comme elle est au niveau 5. Il lui reste la communication, mais également la réflexion. Ah, ça y est, le linge est propre et sec et chaud. Parfait, on va pouvoir l'emmener. Oh, regardez, ils jouent ensemble, c'est trop chou. Ils s'entendent vraiment bien en plus tous les deux. Ça y est, je crois que la peluche, elle va disparaître là. Voilà, parfait. Par contre, il fait un peu froid dans la maison, donc on va mettre sur plus chaud. Alors là, j'aimerais bien qu'on vienne brosser encore une fois Richie qui est un sac à nœuds là. On va nettoyer également le filtre parce que maintenant il est sale, donc on va éviter les incendies quand même. Il s'occupe un peu de sa fille tout de même. C'est une chose très importante, l'éducation. Elle est au niveau 3 d'ailleurs de la compétence pause. Super, j'ai réussi à faire ça avant la fin de l'épisode. Et lui, il est au niveau 3 de la compétence éducation. Bah, au niveau des compétences, elle est vraiment très bien. Hein. Ah, ça y est, Aria est rentrée du travail. Elle va venir à l'étage voir un peu sa famille. Bon, Aria, ça serait quand même pas mal qu'elle se change parce que là, cette tenue, elle est ignoble. On va pas se mentir. Bon, bah écoutez, ça y est, on y est. C'est la fin de la série avec Aria. J'espère en tout cas que cette série vous a plu autant qu'à moi. Ça me fait un peu mal au cœur de les laisser, mais je pense que je vais quand même jouer avec eux de mon côté, finir un peu tout ce que j'avais commencé. Vous inquiétez pas, maintenant il y a la place du marché, mon petit challenge que je viens de lancer qui remplace du coup mon let's play avec Aria, que vous retrouverez d'ailleurs principalement le samedi. J'espère que ce let's play vous a plu, je vous remercie d'avoir regardé ce dernier épisode et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.